Hello guys, welcome to another episode of the Business Tips. And you know what, in this video I decided to go somewhere that's special because I want to talk about the coffee business in Douala. So I just decided to come to the best place where you can drink coffee in Douala, and that's a terrific coffee, guys. It's situated somewhere around Sable and it's very accessible. So I'm going to take you and show you around the place, and then we are going to discuss the coffee business in Cameroon. Fortunately, I was able to meet the proprietor or the director of the place. He is a Francophone guy and he's going to be talking in French while I talk in English, because we just want to bring you the content, okay? I just want somebody out there to be able to start their own coffee shop in Douala. If you're new to this channel, guys, hey, click on the subscribe button and always make sure you share and drop us a comment, because we would love to read from you. So without waste of much of a time, let's go. But before we go, let's just see how it goes, guys. And this is the best place where you can really drink some good coffee. So follow me, let's go inside and discover the place. Ooh, yeah. Welcome again once more to the African Business Talk on the YouTube Business Tips channel. If this is your first time watching this channel, hey, make sure you click on the subscribe button. And if you're coming back to this channel, thank you for coming back. Today, I'm right here at Terrific Coffee. And I decided to take this small corner just to talk with you guys on how you can open your own coffee shop in Douala and in Cameroon. Coffee business is a good business. And if you're a coffee lover, guys, this is the time to think about opening a coffee shop, because Cameroon has got the Arabica and the Robusta coffee, and it's a special coffee in the whole world. Cameroon's coffee is different from every other coffee, as we are going to be hearing from Mr. Thierry Jenga, the owner of this place, where I'm shooting this video right now. So without waste of any much time, let's dive into the 5 steps on how you can open your coffee shop in Douala and in Cameroon or anywhere in Africa. The first thing you need to do is get a place, get a location, a classy location like this one. I and Daf actually went around the whole place to see how it looks like. Yeah, a coffee shop business is not a cheap or it's not a low budget business, because what people usually do at coffee shops is they come, sit down, and they just need a quiet place to work. You know, most people, while drinking coffee, they want to check their emails, they want to, you know, catch up with some meetings and all of that. So you want to look a very classy place, and your place is also supposed to be accessible by everybody. Of course, it has to be accessible and it should look nice. So in Douala, I would recommend that if you want to get a good place, or if you intend getting a very nice place like this place, your rent should be about 300,000 to 500,000 francs per month, and you surely have to pay like 2 to 5 years of rent before you can secure a good place. So that's just how it is, guys. It's not a cheap business, believe me. So the second step is register your business. Of course, you can't do a business in Cameroon without registering it. So there are just so many different forms which you can register your business. It can either be a sole proprietorship, it can be a limited liability company, or a public limited company. So that would depend on you and the structure of the kind of business that you want to do. But the truth is, it depends on, as I said, it depends on the kind of business that you want to register and how you want to start your business. If you need any assistance in registering your company in Cameroon, hey, contact us at HR and Systems. You can either call us or send us an email or WhatsApp us. The contacts are on the screen, and we are going to assist you in setting up your business. That's what we do, and we've done it for so many other people. So guys, the second stage is, at this point, register your business and get going with your coffee shop. So step number 3, the third stage is, you need to define your products.
As you're going to see with the Terrific Coffee, they've got a unique product that they sell. So probably you want to define your unique product, because you don't just want to sell the things that everybody is selling, right? So you probably want to have your own specific mix of your coffee and make it look different. And when you define your product, the thing you need to also do is, where do you get supply? You also have to have supply for what you're going to be selling, because coffee, of course, is grown in the northern part or in the western part, even in the littoral part of Cameroon. Let's say you have to do your research and strike a deal with your suppliers, people who are going to be supplying you your raw material for the coffee that you're going to be selling. So that's going to be stage three, which is a very important stage. So we are on step number four, which is hire employees. Guys, at this stage, you just need to sit down and decide on how many employees you want to hire. So depending on the size of your activity or depending on the size of your place, you probably need to hire employees. So the first thing you need to do is list down the job description of the people you want to hire. And in this case, probably you need a cashier and a servant, okay? Somebody who is going to be serving the coffee to people and another person doing the cash work. And of course, somebody doing the mixing. So probably three employees will be a good start. And I'll advise that you just go online and then you post the job description. Create a separate email so that you can start getting in all the CVs that will come in. And then you just select the emails, select the CVs, make a call and have interviews with the potential employees. And guys, the best way to do this is probably to just do it online, because you are just getting started. So you don't want to spend money on the hiring process. So that is step number four, and then we go straight into the fifth step, which is just get started. Open your doors and start selling your business. And one of the things that you probably encounter a lot in the beginning is, how do you get customers to discover the place? So people need to discover you. So you probably want to start doing some kind of branding campaigns, like printing of flyers, printing of posters, banners, and just sharing it in your neighborhood, sharing it around your city, and then just sharing it around. People need to know you, people need to know your name, they need to know your brand and discover your business. And if you want to print flyers or banners or any of those things, guys, contact Unique Printers right here, right now. And they're going to be affordable as a startup business. And another opening that you need to really, really take advantage of is online digital marketing, guys. That's where, as a beginner, you just need to create your Facebook page, your Instagram account, and then, of course, YouTube will come handy here, doing videos like this and posting on YouTube. And just use all the social media outlets that you can use to let people discover your business. And guys, those were some five quick tips of getting started with coffee business in Douala or in Cameroon, of course, in Africa. And I hope this gets to inspire somebody to get started today. I'll be moving now to talk with the proprietor of this place, which is the Terrific Coffee, and let's hear what he has to say. Thanks for watching and stay connected. I'll be right back after the break. Hi, my name is Rofu Chifu, and you're welcome to HRN Systems Limited. Do you intend to invest in Cameroon or in Africa? Then contact us at HRN Systems Limited for your professional business plan writing, business feasibility studies, investment viability checks, and company formation services. My team and I are willing to move from Cameroon to any part of Africa just to set up your business. Call us today, send us an email, or visit our website on www.hrnsystems.com for more information. Thanks for watching, and see you in my next video. Welcome, guys, to another episode of my video, and you are right now on the Business Tips YouTube channel, guys. And if you're watching this right now, please make sure you hit on the subscribe button and make sure that you come back to this channel to watch more. I am right now today at Terrific Coffee, the best place where you can drink coffee in Douala. They've got the finest coffee in Cameroon and in Douala. Guys, I want you to come here one day to taste that. And do you know what? I'm here with the owner,
the CEO and the founder of Terrific Coffee. And we are just going to be sharing a lot of things with the guy. He's sitting right here with me, Mr. Thierry Janga. He's French, so I'm English. We're going to be doing a bilingual kind of show today. So I'll be talking in English and he'll be talking in French, guys. So the Cameroon is bilingual, so we're going to be showing the bilingual nature of our country. Yeah. So Mr. Thierry, we are here in this beautiful place. I had the opportunity to go around and see the whole place. I just want to find out, why did you decide to open a coffee shop? J'ai décidé d'ouvrir le coffee shop Terrific Coffee parce que au Cameroun, on est producteur de café au Cameroun, mais on a beaucoup de difficultés d'écouler nos produits. Et je me suis rendu compte que au Cameroun, on ne connaît pas les véritables valeurs du café. Okay. Le café, c'est bien pour la santé. Le café, c'est la deuxième boisson la plus importante dans le monde. Okay. La première boisson la plus importante, c'est l'eau. Yes. La boisson qui suit en seconde position, yes, c'est le café. Yes. Okay. Donc, so le café comes before beer, before alcohol. Non, le café, c'est la deuxième boisson la plus importante dans le monde et la plus consommée dans le monde. Donc après l'eau, c'est le café. En fait, l'histoire derrière le café, c'est que les pays consommateurs qui consomment beaucoup le café dans le monde, avec caché beaucoup de bonnes informations chez les pays producteurs de café. Okay. Donc du coup, nous on produisait pour que eux, c'est toujours comme ils utilisent. On produit, eux ils utilisent. Donc aujourd'hui, avec Internet, on peut faire des recherches, avec l'ouverture du monde entier, même au niveau Internet. Chacun peut faire les recherches pour connaître qu'est-ce que l'important même du café. Voilà. Et beaucoup de pays producteurs de café se sont rendus compte. Le Brésil. Okay. Le Brésil aujourd'hui consomme pratiquement la moitié de sa production. Okay. Et le Brésil, c'est le premier producteur de café dans le monde. Il produit pratiquement la moitié de la production mondiale de café. Okay. Et les pays en Afrique comme le Kenya, l'Éthiopie, le Rwanda se sont rendus compte des valeurs du café. Donc du coup, chez eux, aujourd'hui, quand ils produisent leur café, ils ont ça pour la consommation. Ils ont leur rituel de café qu'ils appellent traditionnel coffee, par exemple en Éthiopie. Ouais. Que quand tu arrives chez quelqu'un en Éthiopie, quand il te reçoit, et que vous trouvez en train de faire un café. D'accord. Vous comprenez pas. Vous trouvez en train de faire un café. Ce n'est pas que tu arrives là, il te dit que va acheter une bière là-bas. Non. Il te donne un café. So what you are trying to say is that you got into the business of coffee making because it's the second important drink in the world. Le café, c'est la, comme j'ai dit, c'est la deuxième boisson la plus importante. Et aussi, il faut rappeler que le café, c'est la deuxième matière première. La deuxième matière première la plus échangée dans le monde. En termes de flux, dans le monde, c'est le café qui vient en deuxième position. La première, c'est le pétrole. C'est le pétrole qui est la première. Le café, c'est la deuxième. Si c'est la deuxième, ça veut dire que ça a beaucoup de valeurs. Quelque chose, c'est important. Ça ne peut pas être important. On a ça au Cameroun et on a un très bon terroir, on a la qualité, on a un très bon café, on n'arrive pas à vendre. Arabica, que ce soit Robusta, Arabica, on a les difficultés, les producteurs ne vivent pas de ce qu'ils produisent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que moi j'ai pris l'initiation de partir me former dans les plus grandes écoles en Europe. En Hollande, il était à Gisson Coffee Roaster. En Hollande, à Paris, il était à la Caféothèque de Paris. C'est toute une école de café où j'ai passé mon diplôme avec Marcion. Donc aujourd'hui, je suis un maître du café dans la matière, que ce soit au niveau de la torréfaction, que ce soit au niveau de l'art de barista. So guys, as you just heard, he has a degree in what he's doing in Cameroon. So I just want to know, Mr. Thierry, you already have something called the Terrific Coffee. I think this is your product, right? Yes. What is the difference between this product and any other product we have in the market? La différence de Terrific Coffee, on est arrivé dans un concept. Moi, je suis arrivé dans un concept au Cameroun. Moi, mon projet, c'est de tendre les shops dans les différentes boutiques à proximité du consommateur.
Pour que si quelqu'un veut faire même un café chez lui, à la maison, un peu comme ça s'est fait partout ailleurs, qu'il puisse arriver au coffee shop, on lui donne un café frais. Peut-être qu'il a choisi ses grains, son origine. Ça peut être le café du Mongo, ça peut être le café du Nord-Ouest, ça peut être le café de l'Est, ça peut être le café du Noun. Il choisit ses origines de café en fonction de son goût. On lui donne un café qui a été fraîchement torréfié et fraîchement moulu. Il rentre chez lui, il part faire à la maison, il va ressentir ce qu'on appelle le côté floral et fruité du café. Okay. Donc, ça veut dire que un café fruité, quand le café est naturellement sucré, donc quand on n'a pas besoin, même tu fais un café de black coffee, tu fais un café noir, tu n'as pas besoin de mettre le sucre dedans. Parce que tout le monde a tendance à dire que le café amer, non. Le café ressort des notes fruitées. Le café, pendant la torréfaction, développe plus de 1200 molécules aromatiques. Ok. Donc ça c'est consommé. So it's not bitter. Non, it's not bitter, it's sweet. Un bon café, l'amertume d'un bon café est éphémère. Donc ça veut dire que ça passe rapidement. Et en fin de bouche, vous allez ressortir quelque chose de fruité dans un bon café. Ok, alright. Un peu comme un bitacola. Non, bitacola. Bitacola. Quand tu manges un bitacola, tu as une amertume au départ, mais après. Les aigles sweets. Sweet. Yes. Un bon café, c'est comme ça. Mais si dans un café, tu es en train de savourer un café sur lequel tu ne réussis pas à ressortir ce côté fruité, ça veut dire que le café là a été torréfié peut-être depuis. Ou peut-être le café là a été mal sélectionné au niveau de la plantation. Ou le café là a été moulu depuis. D'accord. Bon, c'est un peu ça. Okay, Mr. Thierry, we just had to know more about coffee and the various stages that the coffee will go so that you can taste it. Normally, a good coffee will have to like be aromatized, kind of, it has some aroma in your mouth. Côté fruité. Right. So apart from this particular product that you do, if somebody comes in here, what are the various types of, I don't know, like, I know that there are things like cappuccino, all those kind of things. What are the various types of coffee that a person can drink in your place? Ici, déjà, ce qu'on fait, c'est le café de spécialité. Okay. C'est un specialty coffee. Like this one, what's the name of this one? Cappuccino. This one is cappuccino. Cappuccino. Le cappuccino, c'est fait entre le lait et le café. Okay. Donc le cappuccino, c'est le mélange parfait entre le lait et le café. Bon, après les boissons lactées, il y a d'autres boissons telles que le latte macchiato. Ça c'est une fredo boisson. Donc ça veut dire que c'est une boisson froide de café. Tu joues avec le lait. Donc il y a plein d'autres boissons de café. Ok, alright. So all of that is present here. Yes, so anybody who comes here. Il y a les baristas, quand vous commandez une boisson, le barista fait la boisson manuellement, donc c'est tout un art. Le barista, il doit connaître déjà au niveau de l'espresso, régler son moulin pour pouvoir avoir une mouture juste pour pouvoir extraire le bon espresso avec le côté tigré dans sa tasse. Donc, l'espresso doit être savoureux. Yeah. Yes. It's very, very nice. So, Mr. Thierry, at least our viewers will want to know like the prices. No, les prix, tu vois un peu. No, like my cup of coffee, if I come here, you know, normally, how much can that cost? Okay. En fait, ici, un cappuccino comme ici, c'est 1500. 1500, 1500. C'est différent de ce que vous avez aux stations service parce que c'est quelqu'un qui a façonné votre boisson. Okay. C'est quelqu'un qui a pris le temps de donner la juste quantité d'espresso et la juste quantité de lait. Oh. Et le cappuccino, c'est la température d'un bon cappuccino. Le lait doit être à maximum 65 degrés. Parce qu'à plus de 65 degrés, on va détruire les protéines dans le lait. Wow. Donc c'est le barista a réussi à gérer ça au détail près. Wow. Alors qu'une machine automatique, ça ne peut pas faire ça. Toute la différence qu'il y a dans ça. Et derrière, la base de cappuccino, c'est le café de spécialité, special coffee. Special c'est pour ça que quand vous goûtez, c'est délicieux. Non, non, I can testify to that, guys. This is a cup of this is just 1,000 francs, no, 1,500 francs, that's 1,500. And the reason is because it's been specially mixed, you understand? So what we are having now is something that's an automated machine
will never give it to you. That's what you're trying to say. Guys, let me just take 1 second again and sip this. Hein? Il faut noter aussi que Terrific, il y a toute une équipe derrière Terrific. Yes. Il y a toute une équipe derrière Terrific. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est de pouvoir proposer à tous les Camerounais le café à proximité. Okay. Donc, nous, on est dans un concept avec mon équipe que d'ici peu, vous allez découvrir, peut-être à travers vos vidéos. Mm-hmm. Ils peuvent même découvrir ce que nous sommes en train de faire. Nous, on a un concept que même le petit Berskineur qui a 100 francs dans sa poche peut toujours venir se trouver en train de prendre une tasse de Terrific Coffee. Donc, on est en train de travailler un café à proximité, à la bouche de tous les Camerounais. So, everybody should be able to have a taste of Terrific Coffee. Je peux vous expliquer quelque chose de très amusant. Oui. Notre paquet de café Terrific Coffee, nous, on le commercialise dans nos shops à 2000 francs. Wow. Dans nos boutiques à 2000 francs. How many grams? 250 grams. Just 2000 francs, that's a good price, guys. Special coffee. Dans les surfaces, parce que nous sommes rendus compte, il y a certaines surfaces où ça sort beaucoup. Mm-hmm. Et nous, dans notre café, on précise qu'à déguster 5 mois après la date de torréfaction, le café doit être frais. Dans certaines surfaces, on commercialise ça, tout ce qu'ils augmentent les marges et tout, 2500, 2400. Ben, après, si un gars achète même un café à 2500 ou 2400, un café de Terrific à 2500, un sachet comme ça peut lui faire au minimum 35 tasses, 50 à 35 tasses, si maîtrise de l'art de barista. Okay. Si tu fais 50 tasses de café avec ça, si tu vends la tasse seulement à 100 francs, ça fait 5000 francs. So there's enough bénéfices. Tu comprends que c'est à la portée de tout le monde. Yeah. Donc tout le monde peut boire Terrific. Ce n'est pas pour la fin que c'est une catégorie de personnes. Great, 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 great. I get it. Now, Mr. Thierry, like, just like the question I ask every CEO that I meet, right? I just want to know, what are the challenges that you face in the business as an entrepreneur, as a Cameroon entrepreneur, a young entrepreneur, an African entrepreneur? Yes. What are the challenges that you face doing business? Mon challenge et ce qui me donne tellement de force dans ce projet qu'on a initié, c'est que mon rêve, parce qu'il y a un rêve derrière. Mon rêve, c'est que demain, on puisse au Cameroun consommer le café qu'on produit, si bien que quand les autres qui achetaient notre café viennent pour acheter notre café, on dit que la quantité qu'on a produit là, ça ne suffit même pas pour nous. Okay. Le fait que l'origine Cameroun a une certaine valeur qui est différente de tous les cafés dans le monde, parce que le café du Cameroun est spécial. Spécial, different. Le fait que l'origine Cameroun a quelque chose de particulier, ils seront obligés de lever les prix parce qu'ils veulent notre café, ça serait une richesse. D'accord. Notre café, c'est de l'or. Okay. Et on a ça dans les mains, il faut qu'on protège ça. On protège ça bien, bien. Et on va commencer, pour mieux protéger, il faut savourer pour pouvoir connaître ce qu'il y a derrière ce qu'on est en train de faire. Ok, so like, so as an entrepreneur doing business, you've been able to, you know, you've been able to cut through the customers, you've been able to reach out to people. I mean, how are you doing that? Like, how do you get customers? How do you reach out? How do people get to know your business? Peut-être les réseaux sociaux, peut-être grâce à votre aide, grâce à vos chaînes YouTube. L'objectif, c'est que ce qu'on propose aujourd'hui, ce qu'il y a derrière le café, c'est quelque chose de réel. Ce n'est pas une histoire qu'on a inventée. Et moi, je suis un spécialiste de café. Et je connais la différence, par exemple, entre un café soluble et un café moulu et un café en grain. Parce qu'au Cameroun, on a l'habitude de consommer le café soluble. Vous comprenez un peu. Cette différence-là, je connais. Le café soluble, c'est l'un des pires cafés qu'on devrait consommer. D'accord. Vous allez vous rendre compte que les grosses marques, les grandes marques, ce sont eux qui font les gros industriels, ce sont eux qui ont développé le café soluble. Mais aujourd'hui, dans les grands pays, ce n'est plus ça qui est sur le marché. Ils ont développé le café soluble, mais ce n'est plus ça qu'on consomme dans les grands pays. Parce qu'on s'est rendu compte que ça a quelque chose. Okay. Moi, je ne peux pas me mettre à citer tout ça ici. Mais ces grandes marques-là, aujourd'hui, ont fait les capsules. Ce sont eux aussi qui ont développé les capsules. Quand vous ouvrez une capsule, qu'est-ce que vous trouvez derrière une capsule?
having this discussion with Mr. Thierry Njanga. And truly speaking, I don't want to go away without you having something. I mean, I discussed that with him, that anybody watching this video, if you come to Terrific Coffee, it's here at Sable. What, how, comment dit, where is this place located? C'est Sable Bonamou Sadi. C'est juste, okay. C'est situé juste à côté de Serena Hotel. Yeah. Et à Yaoundé, il faut noter qu'à Yaoundé. Okay, you have a branch in Yaoundé too. Where in Yaoundé? À Bastos. Net au carrefour qui mène à l'ambassade de Chine. Ok, so il y a on est à Bastos. Oui, c'est quoi la pharmacie Alliance? Pharmacie Alliance. At Bastos. Ok, right. Guys. C'est au cœur même de Bastos. Wow. So if you are in Yaoundé, you can always go to Bastos. You know, it's collé avec pharmacie Alliance, n'est-ce pas? Yes. Yes. And then in Douala, we are here at Sable, just beside Serena Hotel. You can always get Terrific Coffee, guys. And if you visit these places anytime, any day, you're going to have a cup of this, and that's offered freely. If it's your first time and you're coming from this video, just tell them that you saw this video and you're coming to taste the coffee, and they'll give you a cup of coffee for free because you are watching this video right now. So before we leave, before he leaves, because he'll be going and probably I'll probably continue, you know, doing some other things, what do you have to say to young Cameroonians? Just a un seul mot pour les jeunes Camerounais. En fait, le mot que je peux dire à la jeunesse du Cameroun, c'est un, il faut penser au projet, il faut croire à ce qu'on veut faire et qui ne tente rien à rien, il faut passer à l'action. Passer à l'action, ça veut dire agir en fonction de ses moyens. Je connais des gens qui sont quittés en vendant des petits des marchandises de la rue pour ouvrir des grandes boutiques. Mm-hmm. Donc, ils ont traversé certaines étapes. Donc, il faut croire à ses rêves. D'accord. Il faut croire. Mm-hmm. Moi, Terrific Coffee, l'année passée, quand on a lancé ce projet-là, je suis dans les plantations depuis. Mais si quelqu'un m'avait dit que je devrais être à Douala, parce qu'on m'a couché à Mélan, j'ai grandi pratiquement entre Baganté et Mélan, donc j'ai passé tout mon temps au village. Mais si quelqu'un m'avait dit qu'à mes 33 ans, 32 ans, je devrais ouvrir un coffee shop à Douala, je ne crois pas qu'il y a de cela 10 ans, je devais accepter ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, je suis en train de vivre mes rêves et ma passion me fait vivre mes rêves. Et le seul truc que je peux dire aux jeunes Camerounais, c'est d'oser en fait. So guys, as you can see, those were the last words from Mr. Thierry Njanga to you Cameroonians. And I won't want to leave this video without telling you guys that you need to come and have a taste of this coffee. It's wonderful. I've done that. I'm tasting it for my first time and it's so nice. So we are going to leave you guys here, but make sure you subscribe to my YouTube channel and keep coming back for more content. Mr. Thierry, let's say bye to our viewers. Thank you very much for having me. Okay. Ciao guys. Yeah, bye-bye.